Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of war, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Sing of God. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. You are my glory and the lifter of my head. Ha. Demons tremble at the mention of your name, that evil God of thunder, you are the God of fire. Yeah. Come and do what only you can do. Yeah. You are the father to the fatherless, you are the mother to the motherless, the husband to the widow, you are the help to the helpless. My healer, you are my deliverer. Come and do what only you can do. Mighty man of war, mighty man of war, Yahweh.
qui est hautement élevé, above the heavens and the earth, au-dessus des cieux de la terre. He deserves our adoration. Il mérite notre adoration. I invite you this morning, je t'invite ce matin, youth, women and men, jeunes femmes et hommes, young and adults, jeunes et adultes, old people, les vieux et les vieux, you who are poor and rich, toi qui es pauvre et riche, come and let's proclaim the greatness of our God. Venons et proclamons la grandeur de Dieu. For great is our God. Parce que notre Dieu est si grand. And greatly to be praised. Et il est grandement d'être, il est digne grand d'être adoré. Feared above all gods. Il est digne d'être d'avoir crainte au-dessus de lift tous les up dieux. Your voice and praise this God. Et lève off ta voix et adore ce Dieu. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nations are nothing before him. Toutes les nations sont rien devant le Seigneur. They are regarded by him as less than nothing. Nous sommes vus à travers les cieux comme rien. And meaningless to him. Et nous ne sommes rien devant Dieu. We are worshiping a great God. Nous adorons le grand Dieu. Greater than everything we le know. Dieu qui est plus grand que toute chose dont nous connaissons. Let's praise this God. Adorons ce Dieu. Forget your difficulties. Oublie toutes tes difficultés. And proclaim who God is. Et proclame qui Dieu est. He is the maker of all things. Il est le créateur de toutes choses. Creator of heaven and earth. Il est le créateur du ciel et de nothing la terre. Nothing is above him. Rien au-dessus de lui. He exists by himself. Il existe par lui-même. Let's worship God. Adorons ce Dieu. He is a great God. Parce qu'il est le Dieu si grand. Mighty. Il est grand et puissant. Worthy of praise. Il est digne d'être adoré. Your family means nothing for him. Ta famille n'est rien devant lui. Your money means nothing for him. Ton argent n'est rien devant Dieu. Your difficulties or your poverty, nothing for him. Tes difficultés ou ta pauvreté n'est rien devant He's Dieu. God without you. Il est Dieu sans toi. He deserves your worship. Il mérite ton adoration. And he's calling us today. Et il nous appelle aujourd'hui. He's calling you this morning. Il t'appelle ce matin. To declare that he reigns. De déclarer qu'il règne. That he's a great God. Qu'il est ce grand Dieu. And that he's mighty. Et qu'il est puissant. He wants to hear you say it. Il veut t'entendre dire que tu es grand. Sois fervent dans ton cœur. Et commence à adorer ce Dieu. Our great God. Notre grand Dieu. Forget your worries and fall prostrate before this God. Oublie tous tes troubles et prosterne-toi devant ce Dieu. Who is like unto him? Qui est comme Dieu? Who is like unto our God? Qui est comme notre Dieu? Who can stand before our God? Qui peut se placer devant notre and Dieu? And don't tremble. Et qui ne tremble pas. He is the mighty man in battle. Il est le grand qui combat nos batailles. The warrior of warriors. Il est le grand combattant. He defends us. Il nous protège. He fights in places we do not know. Il combat les batailles dans les endroits où nous ne connaissons même in pas. In secret places he fights for you. Dans nos endroits secrets, il combat pour and nous. And he triumphs. Et il triomphe. He fought for us at the cross. Il a combattu pour nous sur la croix. And he triumphs. Et il a triomphé. What will he not do? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Come and worship him. Viens et adore ce Dieu. Come and worship him. Viens et adore Dieu. He deserves your worship. Il mérite ton adoration. Il est grand ce matin. And he's among us this morning. Et il est parmi nous ce matin. A mighty God. Et ce Dieu grand. Worthy of praise. Il est digne d'être adoré. Thank you.
do what only you can do. Yahweh, Yahweh. Sing to him, come and do what only you can do. Join me, sing Yahweh. And their reverence for me consists of tradition. Ils font référence à moi selon les traditions. How is your heart this morning? Comment est ton cœur ce matin? How is your heart before God? Comment est ton cœur devant Dieu ce matin? Some of us fear God. Plusieurs d'entre nous craignent Dieu. By displaying empty traditions. En faisant toutes les traditions vides. But your heart is far. Mais ton cœur est loin. Can you bring your sick heart to the Lord this day? Est-ce que tu peux apporter la sainte de ton cœur devant le Seigneur ce matin? Tell him the hidden sins in your heart. Dis à Dieu les péchés cachés de ton cœur. The struggles you have with hatred. Les difficultés que tu as eues ou à te débattre. With lust. Dans la perversion. With lies telling. Par le mensonge. With corruption. Avec la corruption. And all sorts of immorality. Et toutes choses d'immoralité. Talk to Yahweh this morning. Parle à Yahweh ce matin. About your shameful situation. À propos de ta situation honteuse. The sin you have nursed in your heart. Le péché dont tu as semé dans ton cœur. Ask him to forgive you. Demande à Dieu de te pardonner. Because he's able to give you a new heart. Parce qu'il est capable de te donner un cœur nouveau. To heal you totally. De te guérir complètement. To cleanse your sin. De pardonner tous tes péchés. To give you a new beginning. De te donner un nouveau commencement. To free you this de morning. Te libérer ce matin. Talk to God. Parle à Dieu ce matin. Talk to Jehovah. Parle à Jéhovah. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Humilie-toi alors devant entre les mains puissantes de Dieu. That he may exalt you in due time. Afin qu'il puisse t'exalter au moment approprié. Humble yourself. Humilie-toi devant Dieu. It's the first condition. C'est la première condition. Cry before the Lord. Pleure devant le Seigneur. Humble yourself. Humilie-toi devant Dieu. Accept your shameful state. Accepte ton état honteux. So that he can meet you this morning. Afin qu'il puisse te rencontrer ce matin. In a new way. Dans une manière nouvelle. In a fresh way. D'une manière fraîche. In a powerful way. D'une manière puissante. Come and make my heart.
Come on, be everything I am and all I know. Search me through and through till my heart becomes a home for you. Come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. Search me through and through till my heart becomes a home. Search me through and through till my heart becomes a home for you. Pray for a humble and a quiet spirit. Priez pour un esprit humble et calme. Pray that God will give you a humble and a quiet spirit. Prie que le Seigneur te donnera un esprit humble et calme. Pray for the grace to listen to God and to follow him. Prie pour la grâce d'écouter Dieu et de le suivre. He says, my sheep hear my voice and il dit, mon berger écoute ma voix et me suit. My sheep hear my voice. Il dit, mon berger écoute ma voix et il me suit. Your Bible study brebis, life. Ta vie d'étude biblique. Your prayer life. Ta vie de prière. May God make your barren life to be fruitful again. Ask the Lord to do a new thing. Que le Seigneur fait ta vie stérile de devenir plus fructueuse. Demande à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. So that I can begin to show evidence. Afin que tu puisses commencer à montrer les évidences. Evidence in your home. L'évidence dans ta famille. In your workplace. Dans ton lieu de travail. In the church. Dans l'église. In the society. Même dans la société. In the nation. Dans la nation. As we are praying, we know the Bible tells us to pray for our leaders. Et comme nous prions, nous savons que la Bible dit nous devons prier pour nos leaders. I want you to lift up our leaders before God. J'aimerais que nous puissions élever nos leaders devant le Seigneur. Pray for Reverend Chambeli and Pastor Noué. Priez pour le Reverend Chambeli et le Pasteur Noué. Pray that God would empower them with spiritual authority. Prie que le Seigneur va devoir les augmenter leur puissance dans son autorité. That kind of authority that comes because they spend quality time with God and because they are careful to walk with God. Cette autorité qui vient parce qu'ils ont passé du temps avec Dieu et ils prennent soin de marcher avec Dieu, de faire ce que Dieu demande. Humility and wisdom as they lead this church. Que Dieu va leur donner l'humilité et l'intelligence comme ils dirigent cette église. That God will protect them and protect their families too. Que Dieu va les protéger et protéger aussi leur famille. And provide their every need. Et pourvoira tous leurs besoins. Pray for your pastors. Priez pour votre pasteur. Let's pray for our deacons. Prions aussi pour nos diacres. Our deacons live in Douala. It's a busy place. Nos diacres vivant à Douala est un endroit très émouvanté. Let's thank God that the deacons, even though it's a busy place, have brought up a scheme to visit all the Christians in church, the deacons care group.
Rendons grâce à Dieu parce que le diacre, même comme Douala, est une vie très mouvementée. Il est sorti avec un emploi de temps où il va visiter tous les groupes. Thank God for this wisdom. Remercie Dieu pour cette intelligence. Thank God because he cannot start something and don't finish it. Remercie Dieu parce que Dieu ne peut pas commencer quelque chose et ne pas l'achever. Pray for the availability of the deacons. Prie pour la disponibilité des diacres. That they will find time to visit the Christians. Qu'ils trouveront le temps pour visiter les chrétiens. Pray for strength. Prie pour la force. Pray that they will be holy, they will live holy lives. Prie qu'ils seront saints et vivront la vie de la sainteté. And that their families will reflect the families of deacons. Et que leurs familles reflèteront la famille des diacres. Pray for deacons. Priez pour les diacres. Let's pray for the whole church. Prions aussi pour la communauté entière, pour l'église entière. That there will be a hunger and a thirst for God. Il y aura une faim et une soif de Dieu. Hunger and a thirst for righteousness. La soif et la faim de la justice. Because the Lord is always there to fill us. Parce que Dieu est toujours là pour nous combler. Pray that will come a day when the Wednesday services will just be as full as the Sunday service. Priez que le culte de mi-semaine et mercredi sera plein comme le culte de dimanche. That the all night will just be as full as the Sunday service. Et que la nuit de prière sera aussi pleine comme le culte de dimanche. Pray that God will destroy every love of money from our hearts. Priez que le Seigneur va détruire tout amour d'argent dans nos cœurs. And love for this world. Et même l'amour de ce monde. He says, "You cannot love me if you have the love if you love this world." Il dit, tu ne peux m'aimer si tu aimes ce monde. He says people who love money fall into many traps. Il y a plusieurs personnes qui aiment l'argent tombent dans les pièges. Many of us are trapped. Plusieurs d'entre nous sont piégés. Pray for the whole church. Priez pour l'église entière. Let's pray for this nation. Prions aussi pour cette nation. Pray for Cameroon. Priez pour le Cameroun. Pray that God will begin to work. That God will continue working out His solution in this nation. Priez que le Seigneur va continuer à œuvrer sa solution dans ce pays. He says that my ways are not your ways. Il dit mes voies ne sont pas tes voies. My thoughts are not your thoughts. Mes pensées non plus tes pensées. Let's come to Him as if we know nothing. Venons devant Dieu comme si nous ne connaissons rien. Because that's truly what we do. We know nothing. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous faisons. Nous ne connaissons rien. Let's ask Him to work His perfect plan. Demandons à Dieu d'œuvrer son plan parfait dans nos vies. To heal the brokenhearted. De guérir tous les cœurs brisés. To bring a forgiveness and reconciliation. D'apporter le pardon et la réconciliation. To destroy the powers that be of evil that are working in the dark places against God's plan for this nation. De détruire tout plan démoniaque qui œuvre dans les lieux célestes contre cette nation. That the light of God will come in like thunder as we preach the word, as we lead the word, people will begin to find out that their schemes are being frustrated. Que comme nous allons prier que nous servons Dieu, que la lumière de Dieu luise afin que les gens sachent que leur plan qu'ils ont forgé contre l'église sera détruit. Let's pray for the head of state, all the ministers, all the leaders. Let's pray that the Lord will lead them. Prions to take godly decisions, the fear of God in their hearts. Prions pour le président, pour les leaders, pour les ministres, afin que le Seigneur va le visiter divinement et qu'ils auront la crainte de Dieu dans leur cœur. Something good can come out of any person if the Lord touches that person. Quelque chose de bien peut sortir de quelqu'un si le Seigneur touche cette personne. All these mayors that have been put in place, let's pray that the Lord would take their hearts. The hearts of the kings are in the hands of God. He's able to direct it to any direction. Tous les maires qui ont été élus cette fois, priez que le Seigneur puisse toucher leur cœur afin qu'il puisse les diriger dans la direction dont il veut glorifier, dont Dieu sera glorifié. Heavenly Father, we bless you this morning. Dieu éternel, nous te bénissons ce matin. Visit us in a special way. Visite-nous d'une manière spéciale. Speak to each and every one of us in a special way. Parle à chacun de nous d'une manière spéciale. And granted that at the end of this service, we must have had an encounter with you. Et permets-nous afin qu'à la fin de ce culte, nous puissions avoir une rencontre personnelle avec toi. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Good morning, brethren. Bonjour, frères et sœurs. Good morning, brethren. Bonjour, frères et sœurs. Please just turn left and right and give a beautiful smile to the person sitting beside you and s'il say welcome. Vous plaît, tournez à votre gauche ou à votre droite. Just a beautiful smile. There are people who have not smiled since yesterday. Votre voisin ou votre voisine. Don't shake hands. We have coronavirus. Just smile. Mais c'est que par la main, s'il vous plaît, nous avons le virus corona. Donc, just donnez juste give un sourire. The person a beautiful smile. You can.
Thank you. Merci. You are welcome after the busy week. Vous êtes tous les bienvenus après cette semaine chargée. And welcome to this special service of today. Et bienvenue une fois de plus à ce culte spécial d'aujourd'hui. According to our program, we see that our reverend will not be with us because of the ordination service of Pastor Nyansoke Adolf. Selon notre programme d'aujourd'hui, le révérend ne sera pas avec nous parce qu'il adore à Mbenga City, comme le pasteur de cette église sera. Il y a une culte d'ordination de pasteur Nyansoke aujourd'hui. So we have our choir number from the French Donc, choir. La chorale en français va nous donner un chant spécial. We have our scripture reading. La lecture des Saintes Écritures. Praise team will come up. L'équipe de louange va suivre. And then we have a message from Pastor Nui. Et le pasteur Nui va nous donner le message du jour. And then the priest will give us a song. Et après cela, la chorale du sacerdoce. Church secretary announcement. Les annonces. Church offerings and tithes. Les offrandes et les dîmes. We recognize our guests. Et nous allons faire la connaissance de nos visiteurs. And then we have our benediction. Et la bénédiction à la fin. Please don't go away after this program. S'il vous plaît, après ce programme, restez encore à l'église. So that we can have our church school service. Pour que tous ensemble nous participons à l'école de l'église. We have discovered that most of us we leave immediately after service and forget about the church school. C'est un constat que juste après le premier culte, beaucoup d'entre nous rentrons à la maison. So let's be punctual and do it better. Donc, utilisez notre temps et juste après le culte, nous allons participer à l'école d'église. Thank you. Merci. Il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port. Permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand tout semble perdu, tu vis le désespoir. Souviens-toi, Jésus-Christ est ton grand capitaine. My dear brothers and sisters in Christ, when you feel desperate, when everything seems lost, remember that Jesus Christ is your great captain. When you seem worried and no one is there for you, when all hope is gone, and you feel that you are lost, remember that Jesus Christ is your great captain.
tu traverses des moments obscurs et ton cœur est troublé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour porter ton fardeau. Et aujourd'hui, tu peux recevoir la paix. La paix si tu te confies en lui de tout ton cœur. Souviens-toi, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ouvre ton cœur aujourd'hui et tu verras. Hey, hey. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, même que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand tout semble perdu, tu vis le désespoir. Souviens-toi, Jésus-Christ est ton grand capitaine. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, même que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand tout semble perdu, tu vis le désespoir. Souviens-toi, Jésus-Christ est ton grand people of God. Our scripture reading this morning is taken from the book of Philippians chapter 4 from verses 6 to 7. Philippians chapter 4 verses 6 to 7. If you are there, I read. I'm reading from the Good News Translation. Don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking him with a thankful heart. And God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Notre lecture tirée ce matin dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ceci est la parole du Seigneur. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, trouble may no last for long, for there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your voice and say, oh, we know that I can make it. We know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Oh, I know that I can make it,
thought that things were not going well. That time that you thought all was gone. But Jesus came to your rescue. Not talking about the time when you were in the dark, but by the power of His mighty Spirit, He searched you out of darkness into His marvelous light. This song is just telling you that Jesus is all possibilities, and there is nothing He cannot do. My life is in Your hands, I know. No other night can make it. I know. No other night can save. No matter what, no matter what, make all my way. My life is in. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour la grâce que tu nous fais. For the grace that you grant unto us. De voir ce jour. To see this day. Et de pouvoir t'écouter encore. And to be able to listen to you again. Merci parce que tu parles chaque fois à nos cœurs. Thank you because at each time you talk to our hearts. Tu veux que nous soyons meilleurs. You want us to be better people. Instruis-nous encore ce matin. And so instruct us again this morning. Pour ta gloire. For your glory. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tourne-toi vers ton voisin. Turn to your neighbor. Et dis-lui que la paix du Seigneur soit avec toi. And so the peace of the Lord be with you. J'ai dit simplement que tu te tournes. J'ai pas dit que tu le salues. I didn't say you should greet. I simply said turn Tourne-toi to your simplement neighbor. Vers lui et dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Turn to your neighbor and say the peace of the Lord be with you. Maintenant pose-lui cette question. Est-ce que tu as la paix du Seigneur? And so ask this question. Do you have the peace of the Lord? Est-ce que tu es sûr que tu as la paix du Seigneur? Are you sure that you have the peace of the Lord? Sois sincère. Be sincere. Est-ce que tu es sûr que tu as la paix du Seigneur? Are you certain that you have the peace of the Lord? C'est les gens qui disent que j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. Après là, on va voir qu'ils n'ont même pas la paix. Because there are people who say, I have the peace, I have the peace, I have the peace of the Lord, but later on you discover that they don't have any peace. Hallelujah. Amen. Je voudrais ce matin nous faire savoir que nous ne connaîtrons jamais la paix. I just want us to understand this morning that we will never know peace. Si nous n'avons pas Jésus-Christ en nous. If we don't have Jesus in our lives. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur. If you don't have Jesus in your life. Tu ne connaîtras jamais la paix. You will never know peace. Tu peux faire semblant parmi les hommes. You can pretend amongst people. Tu peux montrer ton pouvoir financier. You can manifest your financial power. Tu peux avoir tout ce que tu veux. You can have everything that you desire. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, but if you don't have Jesus, tu n'as pas la paix. You don't have peace. Tu peux avoir l'argent, les maisons, les voitures, femmes et enfants. You can have money, houses, cars, children and wife. Mais ne pas avoir la paix. Without necessarily having peace. La paix, comme quelqu'un disait, peace, like somebody said, ce n'est pas l'absence de guerre. It's not the absence of war. Ce n'est pas le simple fait que tout soit calme. It's not the simple fact that everything is calm. Parfois tout est calme. At times things are calm. Mais il y a des batailles silencieuses. But we have silent battles. Il y a une guerre froide. We have a cold war. Et ces guerres froides sont plus que les guerres ouvertes. And this cold war is worse than the open wars that we noticed. Ceux qui sont allés à l'école savent ce qui s'est passé entre la Russie et les États-Unis. Those who went to school can understand what happened between Russia and the United States. Pendant la période de la guerre froide. During the Cold War period. C'était pire que la Première et la Deuxième Guerre mondiale. It was worse than the First and Second World War. Parce qu'il y a des batailles qui se passaient en bas. Because we had battles that were going on the ground.
Et plusieurs d'entre nous vivent dans cette guerre froide. And many amongst us live in this cold war. On avait souvent parlé de paix au Cameroun. We used to talk about peace in Cameroon. Mais je peux dire que ce n'était pas la paix. But I want to say that it was really not peace. C'était juste le calme. It was just something. It was just calmness. Parce que bien que les gens étaient calmes, because in as much as people were calm, au dedans d'eux ils étaient rongés par des choses. Inside of them, they were being chopped up by some things. Nous étions à un séminaire cette semaine-ci. We attended a seminar this week. Et un orateur a dit que il n'y a pas beaucoup de batailles au Cameroun. And the preacher said that we don't have many battles in Cameroon. Parce que Dieu a tellement béni le Cameroun que tout le monde peut manger. Because God has really blessed Cameroon to the point that almost everybody can eat. Il est difficile que tu trouves quelqu'un qui n'est pas quoi à manger. It is difficult to find somebody who does not have something to except eat. Except un paresseux. Except somebody who is lazy. Parce que si tu n'es pas paresseux au Cameroun, because if you are not lazy in Cameroon, tu ne peux pas manquer de quoi manger. You cannot lack what to eat. Si tu n'es pas seulement en train de courir que je veux venir à Douala, if you are not just running to say that I want to come to Douala, et que tu veux rester au village, and that you want to stay in the village, tu peux partir au champ, you can go to the farm, ramener ta nourriture, come back with your food, et manger, and eat. Jésus a dit, Jesus said, si vous avez la nourriture et le vêtement, ça vous suffit. If you have food and clothing, that's enough for you. Amen. Amen. Si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. If you have food and clothing, that's okay for you. Toutes les guerres que nous avons, every other war that we have, viennent du fait que la nourriture et le vêtement ne nous suffisent pas. Comes as a result of the fact that food and clothing is not enough for dès us. Dès que tu commences à vouloir bagarrer à plus de choses que la nourriture et le vêtement, the moment you start fighting for something else other than food and clothing, à ce moment-là, tu commences à avoir des problèmes. At that moment, you start having problems. Si ton mari te donne la nourriture et le vêtement, if your husband gives you clothing and food, et que tu commences à regarder à la coiffure, and then you start looking at your hairdo, au maquillage, your makeup, au rideau, your double lines, au fait que tu pars à pied, the fact that you're trekking, et que tu as besoin maintenant de prendre la voiture, and that you need to take a cab, les problèmes vont commencer. Problems will start coming up. Parce que because tu ne te contentes pas de la nourriture et du vêtement. Because you're not contented of having just your clothing and the food. Je disais que nous n'avons pas de gros problèmes au Cameroun. I was saying that we don't have big problems. Ou alors nous ne sommes pas entrés en guerre au Cameroun depuis. Or that we didn't get into war ever since. Parce que la bénédiction de Dieu est tellement abondante dans ce pays. Because God's blessing is so much abundant on this land. Que chacun peut trouver de quoi manger. That everybody can get something to eat. Vous savez, pour ceux qui sont à Douala, you know, for those who are in Douala, si vous partez au marché Sandaga, if you go to the Sandaga market, le soir, in the evening, même si vous n'avez rien, even if you don't have anything, vous pouvez trouver à manger. You will get something to eat. Parce que les gens qui vendent, because those who sell, après ils laissent une tomate ici, after that they will just throw it. Ils laissent une autre tomate là-bas. They will leave another tomato there. Ils laissent un macabo là-bas. They can leave cocoyam. Ils laissent un doigt de plantain là-bas. They can leave plantain the other way. Ils laissent un légume là-bas. They can leave some vegetable that way. Et tu peux aisément aller au marché Sandaga quand le marché est fermé. Tu prends ceci, 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 et tu rentres à la maison, tu prépares. And you can easily go to the Sandaga market when the market is almost closed up, and you pick this and that, and you get back to your house and you will cook. Je sais que certains vont dire que je suis devenu ramasseur de poubelles. I know that some will start asking questions what I'm picking from the dustbin. Il y a des gens qui se nourrissent de la poubelle. There are people who feed from the dustbin. Vous savez, un jour j'ai mangé une grosse tête de chèvre qui venait de la poubelle. You know, there was a day that I ate a fat head of a goat that came from a trash can. Ma femme sait de quoi je parle. My wife knows what I'm talking about. Il fut un moment où nous allions à la poubelle chercher. There was a time where we used to go to the trash can to search for food. Parfois, quand vous entrez chez nous, at times when you get into our house, vous voyez tellement de choses qui sont belles. And you see some beautiful things. Vous avez l'impression qu'on les a achetées. And you have the impression that we bought them. Plusieurs de ces choses sont venues de la poubelle. Most of those things came from the trash can. Parce que ce qui semble être la poubelle pour certains, because what looks like a trash can for others, est une bénédiction pour d'autres personnes. It's a blessing for others. Donc il y a beaucoup de troubles qui viennent de ce que tu n'apprends pas à pouvoir chercher la nourriture et le vêtement simplement. Alors, so we have many problems that come up as a result of the fact that we are not contented of getting just a food. J'ai dit tout à l'heure que nous étions en paix entre guillemets. I was saying that we are in peace in quotes. Mais c'était juste un calme.
But it was just something that was et il a fallu qu'un petit incident se déclenche. And we just needed a little incident that to show et, up. Et nous sommes à 4 ans d'une sale guerre. And we are 4 years already in a dirty war. Parce que le peuple gémissait à l'intérieur. Because the people were groaning inside. On disait on est en paix. And we were just saying that we are in peace. Le Cameroun est un havre de paix. Cameroon est un havre de paix. Cameroon is a land of peace. Avez-vous déjà marché avec quelqu'un? Have you already had the opportunity to walk with somebody? Vous êtes silencieux. You're just quiet. Tout semble aller bien. Everything seems to go in. Mais il suffit que tu lui dises une chose. But you just need to tell the person one thing. Et tu le vois commencer à raconter tellement de choses en même temps. And you see the person start telling you so many things at the same time. C'est comme si une bombe a explosé. Boom. It's just like a bomb just exploded. Et pourtant vous marchiez ensemble. Whereas you were moving along. Tout avait l'air calme. Everything seemed calm. Tout avait l'air normal. Everything was like normal. Juste un petit mot que tu as envoyé. Just a small word that you said. Et il t'a raconté toute chose. And he just had to tell you everything. Voilà le genre de paix que les gens expérimentent aujourd'hui. That's the kind of peace that people experience today. Il y a des couples qui sont assis ici. We have couples seated here. Tout paraît calme. Everything seems to be calm. Vous les voyez, ils sont comme en paix. You see them, they look as though they mais are dans le cœur de l'homme, ça boue. But in the man's heart is boiling. Dans le cœur de la femme, ça boue. In the wife's heart is bubbling equally. Et un jour, and one day, vous allez seulement entendre boom. One day you will just hear boom. Ils se sont séparés. They are separated. Ah, pourtant ils étaient à l'église. Whereas they were in church. Pourtant ils chantaient bien. Whereas they were singing well. Pourtant ils levaient les mains au ciel. They were lifting hands to heaven. Boom. Guerre froide. Cold war. Nous voulons essayer ce matin. We want to try this morning. De désamorcer certaines de ces bombes. To disarm this kind of bomb. On va essayer de désamorcer ces bombes-là. We'll try to disarm this kind of bomb. Pour que ça ne fasse pas boom demain. So that it won't explode boom tomorrow. Parce qu'il y a des gens qui sont assis là. Because of our people seated here. Bientôt ça va faire boom. Very soon it will just explode boom. On va dire, n'est-ce pas la sœur qui était à l'église? And they will just say, was the sister not in church? Il y en a qui ça va bientôt faire boom parce qu'elles vont aller prendre leur grossesse. There were others who just say boom because very soon they'll get pregnant. Elles ont trop attendu le mariage. They've waited so long for marriage. Il y en a qui vont bientôt faire boom. Elles ont trop attendu le travail. Alors ils vont aller entrer dans quelque chose. And others who just say boom because they've waited for a job for so long and so they'll just go and get involved into something else. Nous voulons parler de manifester la vraie paix. We want to talk about manifesting the real peace. Manifester la vraie paix. Manifesting the real peace. Jésus a dit dans Jean 14 verset 27. Jesus said in John 14, 27. Je vous laisse la paix. I give you my peace. Je vous donne ma paix. My peace I give to you. Comment donc manifester cette paix? How then can we manifest this peace? Premièrement en ne s'inquiétant de rien. Firstly, by not being worried about anything. Et deuxièmement, anything. En faisant connaître nos besoins à Dieu. And secondly, by making our needs known to God. La question qu'on peut se poser. And the question we can ask ourselves. Comment ne pas s'inquiéter? How do we do not to be worried? Jésus a dit. Jesus said. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Who amongst you by worrying can add a single day to his life? Tu t'inquiètes, ça ne change pas. Tu ne t'inquiètes pas, ça ne change pas. If you're worried, it changes nothing. If you don't get worried, it doesn't change donc, anything. Mieux ne t'inquiète either. Pas toi. And so better not parce get que ton worried. Inquiétude ne va rien changer. Because your worriness won't change anything. Qui de vous par ses inquiétudes? Who amongst you by getting worried? Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Can add a day to his life. Tes inquiétudes ne vont jamais rien changer sur ta situation. Your worriness won't add anything to your situation. Tes inquiétudes amènent ton cœur à davantage être troublé. Your worriness makes your heart to be more troubled. Et à manquer de paix. And to lose peace. To ne pas s'inquiéter ne veut pas dire ne pas réfléchir sur la chose. The fact to worry doesn't mean that you don't think about that thing. Je pense à mon lendemain. I think about my future. Je pense à mon futur. I think about my tomorrow. Mais je m'inquiète pas. But I don't get worried. Je ne m'inquiète pas. I don't get worried. Ceux qui vivent dans l'inquiétude ont toujours ce langage dans leur bouche. Always have this language in ouais, their mouth. Je vais faire comment? Where, what will I do? Ouais, je vais faire comment? Where, what will I do? Ce langage est un langage incrédule.
This language is the language of unbelievers. Ce langage est le langage de ceux qui pensent que c'est à eux de diriger leur vie. This language is the language that belongs to people who think that they are the ones in control of their non, lives. Non, c'est à l'Éternel de diriger notre vie. No, it belongs to the Lord, so He is the one to direct our lives. Ne pas s'inquiéter. The fact that we don't c'est get choisi worried, de faire confiance au Seigneur. Is choosing to trust God. Nous traversons tous des situations difficiles. We all go through difficult situations. Des situations perturbantes. The two troubling situations. Mais la marque des personnes dont la vie est transformée, but the mark of the people that the people whose lives have been transformed, c'est leur capacité à garder leur paix. Is the capacity of them keeping their peace. Leur capacité à faire confiance à Dieu. The capacity that they have to trust in the Lord. Au cœur de toute situation. In the midst of every situation. L'apôtre Paul est dans le bateau. Apostle Paul is in the ship. Pendant qu'ils s'en vont à Rome. He's in the boat while they are going et to les Rome. Vents sont en train de secouer le bateau. And waves are there trying to shake ils sont up sur the le point de faire naufrage. They are almost shipwrecking. Et tout le monde panique. And everybody is in panic. Tout le monde est inquiet. Everybody is worried. Mais il est calme. But he's calm. Et il peut dire aux membres de l'équipage. And he can tell the crew members. Ne vous inquiétez pas. Don't be worried. Personne ne va mourir. Nobody is going to die. Et ils vont tous arriver à la plage. And they all reach the shore. Et pendant qu'ils sont en train de faire le feu, and while they are about to make some fire, un serpent va s'accrocher sur son bras pendant qu'il ramasse le tas de bois. There's a snake that's going to hang on his hand while he's trying to gather some firewood. Et tout le monde dit, ah, cet homme-ci doit être un méchant. And everybody is going to say this guy should be somebody who is wicked. Comment est-ce qu'il a pu wicked? Être sauvé du naufrage? How could he be saved from a shipwreck? Pour venir nous mourir à la plage. To just come and die by the seashore. Pendant que tout le monde est en train de paniquer, while everybody was panicking, il secoue simplement le serpent dans le feu. He just shakes the snake into the fire. Parce que son cœur connaît la paix. Because his heart knows peace. Il connaît qui il sert. He knows who he serves. Il sert le Dieu vivant. He serves the living qui God. Qui connaît les plans qu'il a fait pour lui. Who knows the plans that he il has for him. Connaît les projets qu'il a fait pour he lui. He knows the plans that he has for him. Le Seigneur dit. The Lord says, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. It is in calmness and in confidence that your strength will come forth. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. It is in calmness and in confidence that your strength will come ce forth. Ce n'est pas dans les agitations. It is not when you're getting ce n'est pas worried dans le bruit. Or agitated. It's not in noise making. C'est dans le calme. It is in calmness. Manifester la paix de Dieu. Manifesting God's peace. C'est choisir au cœur même des crises. Is choosing even in the heart of crisis de croire en Dieu, to believe in God, de croire que Dieu est toujours présent, to believe that God is still present. Quand nous choisissons de ne pas nous inquiéter, when we choose not to get worried, nous montrons par là que nous remettons tout à la souveraineté de Dieu. We are just demonstrating by so doing that we put everything into the hands and the sovereignty of God. Un enfant de Dieu, a child of God, devrait toujours fonctionner, is supposed to always function, en reconnaissant que Dieu est souverain, recognizing the fact that God is sovereign. Reconnais que Dieu est souverain. Recognize the fact that God is sovereign. Tu peux ne pas t'inquiéter pour ta maman qui est malade. You might not get worried about your mom who is sick. Cela ne voudrait pas dire qu'elle va absolument guérir. That doesn't mean that she's going to get well. Elle peut mourir. She might die. Et ça aussi c'est la souveraineté de Dieu. And that also is God's sovereignty. Tu peux ne pas t'inquiéter pour ton examen. You might not get worried about your exam. Mais tu échoues quand même. But you still fail. C'est aussi ça la souveraineté de Dieu. That's also God's sovereignty. Mais la souveraineté de Dieu, but God's sovereignty, et le fait que tu ne t'inquiètes pas, and the fact that you don't get va worried, t'aider à mettre ta confiance en Dieu, will help you put your confidence in et God, pas en autre chose, and not in any other thing. Et tu pourras avoir la paix dans ton cœur, and you'll be able to have peace in your heart, même quand ces situations viendraient à tourner en mal. And you can have peace in your heart even when the situation gets to go the negative or the wrong side. Parce que c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Because God is the one controlling the time and the circumstances. Si Dieu fait qu'une situation ne marche pas dans ta vie, if God decides to make that the situation doesn't go il ne correct cesse pas in d'être your life, Dieu. He doesn't stop being God. Non, il est Dieu. He is God. Et il fait comme il veut. And he does the way he pleases. Pourquoi donc me plaindre? So why do I need to complain? Pourquoi me plaindre? Why do I have to complain? Et pourquoi m'inquiéter? And why do I need to get worried? Les gens qui s'inquiètent beaucoup, those who get worried so much, passent leur temps à se plaindre de leur vie. They spend the whole time complaining about their lives. Se plaindre des gens autour d'eux. They complain about people around them. Se plaindre de Dieu. They complain about God. Chers bien-aimés,
Beloved in the Lord, je rappelle encore cette parole de Jésus-Christ. I just want to remind us of the words of Jesus. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Who amongst you by worrying can add a day into his life? Qui? Who? Une vie transformée, a transformed life, doit être caractérisée, has to be characterized, par la paix. By peace. Oui, j'ai des soucis. It's true, I have problems. Mais je ne me soucie pas de mes soucis. But I'm not worried about my issues. Je ne me soucie pas de mes soucis. I'm not worried about the issues that I'm going through. Je ne m'inquiète pas de mes inquiétudes. I'm not worried about the things that trouble me. Je fais confiance à Dieu. I just trust God. Et je garde mon cœur dans la paix. And I keep my heart in peace. Parce que je sais que Dieu est souverain. Because I know that God is sovereign. Et qu'il voit tout. And that he sees all things. Comment donc continuer à manifester cette paix? How then can we continue to manifest this peace? En faisant connaître à Dieu mes besoins. By making our needs known unto God. Faire connaître ses besoins à Dieu. Making our needs known unto God. Ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas. Doesn't mean that God does not know. Hello. Faire connaître ses besoins à Dieu. Making our needs known to God. Ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas. Doesn't mean that God does not know. La Bible dit dans le Psaume 139 verset 4. The Bible tells us in Psalms 139 verse 4. Que la parole n'est pas dans notre bouche qu'on la connaît déjà entièrement. Que la parole n'est pas encore dans notre bouche. That the word is not yet in our mouth. Qui la connaît déjà entièrement. The word is not yet in the mouth of those who know it completely. Non. La parole n'est pas encore dans notre bouche. Psaume 139 verset 4. La parole n'est pas encore dans notre bouche. Il dit, car la parole n'est pas sur la langue, que déjà ô Éternel tu la connais entièrement. Psalms 139 says, verse 4 says, before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. Mm-hmm. Dieu est au courant. God is aware of it. Il sait. He knows it avant que tu n'ouvres ta bouche. Before you open your mouth. Parce qu'il est directement connecté à ton cœur. Because he's directly connected to your heart. Donc avant que tu n'aies parlé, il sait déjà. And so before you open your mouth, he knows it already. Il est omniscient. He's omniscient. Mais il veut que nous puissions faire des requêtes. But he wants us to make our requests. Au lieu de nous inquiéter, instead of getting worried, et de perdre notre paix, and to lose our peace, perdre notre joie, and to lose our joy, faisons connaître nos besoins à Dieu. Let's make our request known unto him. Et dans notre texte, and in our text, il nous a dit de le faire de trois manières. He tells us to make it in three ways. Il a dit par la prière. He said through prayers. Je sais que dans les bulletins on a dit pas la prière. En français, P-A-R, pas P-A-S. I know in our bulletins there's a spelling mistake. It's P-A-R in French and not P-A-S. Par la prière. Through prayers. La prière, c'est tout remettre à Dieu. Prayers is giving, is putting everything into the hands of the Lord. Et lui faire confiance. And trusting him. Seigneur, je sais que tout dépend de toi. Father, I know that everything belongs to you. Du début jusqu'à la fin. I know everything depends on you from alors the beginning je te remets to the ma famille. And so I just commit my family unto je your te remets hands. Mes études. I commit my studies. Je te remets mon célibat. I commit my celibacy. Je te remets mon emploi. I commit my job. Je te remets cette maladie. And so I commit the sickness. Je te remets mon futur. I commit my future. Frère, quand tu remets tout entre les mains de Dieu, beloved in the Lord, when you commit everything unto the hands of the Lord, tu marches tout léger. You just walk along lightly. Tu ne portes pas un lourd fardeau sur toi. You don't carry a heavy load on you. Il y a des gens qui sont venus ce matin. There are people who have come this ils morning. Ont laissé le fardeau là à la porte là-bas. And they've left the load just by the door. Ils there. Sont entrés ici. They came in. Et quand ils vont finir le culte, and when they'll finish ils the vont service, rentrer là-bas. They'll get back. Ils vont reporter leur fardeau et they'll carry avec. The load and get back with it. Ne rentre pas avec le fardeau. Don't go back with that load. Dépose au pied du Seigneur. Drop it remets at the entre Jesus. Ses mains. Commit everything et tu vas partir léger. And you will get back light. Tu vas rentrer léger. You will go back light. L'année surpassée. Last year before last. Je me suis retrouvé avec un fardeau très lourd à porter. I found myself with a heavy load to carry. Malheureusement, je peux pas tout vous expliquer. Unfortunately, I cannot explain everything here. Mais certains diacres étaient au courant. But some deacons were aware. J'ai passé toute l'année dernière. I spent almost the whole of last year. Sans pouvoir utiliser mon salaire. Without necessarily being able to use my salary. Vous ne pouviez pas être au courant. You couldn't have been aware of that. J'avais une charge sur ma tête. I had a load on my shoulders. Qui faisait que dès que je touchais mon salaire. That made that immediately I touched my salary. Je devais aller le déposer quelque part. I had to go and put it somewhere. Et même y ajouter quelque chose. And even add something to it. Au début, j'ai voulu me battre avec ça. From the beginning, I wanted to battle with that.
un moment j'ai même failli démissionner. And at the point I almost resigned. Mais je suis allé devant le Seigneur. But I went before the Lord. J'ai dit Seigneur, je fais comment ici? And I was like, Lord, what do I do here? Il a dit dépose-la. He said just put it there. Je vais m'en occuper. I will take care of it. Nous n'avons pas manqué de pain dans notre maison. We didn't lack what to eat in our home. Nos enfants sont allés à l'école. Our children went to school. Et nous avons vécu notre vie normalement. And we lived our lives normally. Avec des pressions, des difficultés internes. With internal difficulties and pressures. Mais avec la confiance que Dieu est au courant et il est au contrôle. But with the confidence that God is aware of it and that he's in control of everything. Si je vous raconte pas ces choses, vous le saurez pas. If I don't tell you these things, you won't know. Ça ne te sert à rien de porter ce fardeau sur ta tête. It won't help you in any way if you carry this load on your head. Mon salaire n'a pas doublé l'année dernière. My salary wasn't doubled last year. Mais j'ai fonctionné avec. But I dealt with it. Non, j'ai fonctionné avec. But I had to function with it. Quand tu as un fardeau, when you have a burden, remets-le simplement au Seigneur. Commit it unto the Lord. Et tu vas marcher léger. And you walk away lightly. Tu vas marcher avec assurance. You walk with assurance. Quand l'inquiétude bouillait dans mon cœur, when worriness was bubbling in my heart, il a fallu juste la parole du Seigneur. I just needed the word of the Lord. Fils, je suis au contrôle. Son, I am in control. Alors prie, bien-aimé. And so pray, beloved in the Lord. Ne te plains pas. Don't complain. Et j'ai choisi de ne plus me plaindre. And so I choose not to complain again. J'ai envie de dire que ça vient comme ça vient. I just wanted to say it will come the way it will come. Et comme ça vient, je prends. And the way it comes, I will take it. Et quand je prends, j'assume. And when I take it, I will just have to. Et je rends gloire à Dieu. And I just give glory to God. Je lui laisse la possibilité de contrôler. I just give him the possibility to. Alors frère, arrête everything. De te bagarrer. And so brother, stop fighting. Et prie. And pray. Quand les gens t'offensent, when people offend you, au lieu de perdre ta paix, instead of losing your peace, prie. Pray. Remets cette personne entre les mains de Dieu. Commit that person onto the hands of the Lord. Reprends quand c'est possible. Come back to the person reprends, when it's possible. Rebuke. Rebuke when it is necessary. Mais ne perds pas ta paix. But don't lose your peace. À cause d'un homme. Because of a man, ou à cause d'une situation. Or because of a situation. Remets simplement au Seigneur. Commit everything simply unto the hands. Déchargez-vous sur lui, dit la parole de Dieu. Offload yourself unto the Lord. Car il prend soin de vous. Because he is taking care of you. Il a dit que la deuxième façon de présenter nos besoins à Dieu. The Bible says the second way of presenting our requests afin unto de garder nos cœurs dans la paix. So that we can keep our hearts in peace. C'est dans la supplication. It's through supplication. La supplication. Supplication. C'est simplement une prière persévérante. It's simply a persevering prayer. Une prière persévérante. A persevering prayer. Dieu veut parfois éprouver notre cœur. Most of times God wants to test our hearts. Par rapport aux besoins que nous présentons. With respect to the needs that we present. Quelqu'un qui se décourage. Somebody who gets discouraged. Ne mérite pas la récompense. Doesn't deserve any reward. Le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière. God is asking us to persevere in prayers. La supplication exprime un cœur dépendant vis-à-vis de Dieu. Supplication just expresses a heart that is dependent on. C'est une façon God. De dire au Seigneur. It's a way of telling God. Tu es mon devant derrière, comme on dit souvent en français. You're my everything. Tu es mon devant derrière. You're my everything. Je n'ai pas un autre endroit où je peux partir. You're my front and my back. Ça c'est une expression que j'utilise en français pour dire que si je pars devant ou je pars derrière, c'est toi. It's an expression that we just used to say if I go in front or I go behind you. Je dis à Dieu, tu es mon devant derrière. So I tell God, you're my in front and you're my back. Je n'ai rien d'autre. I don't have any other. Aucun autre appui. No other thing on which I can rest. Je peux vous rassurer une chose. I can assure you of something. Quelqu'un qui demande quelque chose une fois et qui reçoit. Somebody who asks for something once and receives. Ne va jamais valoriser la chose comme quelqu'un qui l'a demandé pendant longtemps. Will never valorize that thing like somebody who asks for the same thing for quite a long period of time. Ça ne peut pas être vrai à 100%. It cannot be true 100%. Mais les sœurs qui se sont mariées, elles ont prié le mois prochain, elles ont eu leur mari. But sisters who got married simply because they prayed for 1 month and the next month they got their husband. Ne vont jamais valoriser leur mari comme ceux qui ont prié pendant 10 ans avant qu'ils viennent. They might not necessarily valorize their husbands like somebody who prayed for 10 years before the guy came.
Parce que quand tu as mis tes genoux à terre, tu as prié pendant 10 ans. Because when you ce put n'est your, pas venu. Because when you put your knees on the ground and you pray for 10 years and it doesn't come. Ou quand tu as cherché ce travail pendant 10 ans, ce n'est pas venu. Or when you looked for this, search for this job for 10 le years. Le jour and it où le travail là vient. The day this job comes. Même si on dit que viens au travail à 7 heures. Even if they tell you to be at the job site at 7 o'clock. À 7 heures tu seras là. At 7 a.m. you'll be there. Et parfois le Seigneur veut que nous puissions valoriser la chose qu'il va nous donner. And at times God just wants us to valorize the thing that he's going to alors give il veut us. Que nous soyons dans cette supplication. And so he wants us to be in this mode il veut que nous soyons dans cette persévérance. He wants us to be in perseverance. Afin qu'au moment opportun. So that at the right time. Quand la chose va venir. When the thing comes. Que nous puissions la valoriser. That we'll be able to valorize this alors thing. Ne perds pas ta paix. And so don't lose your peace. Parce que ça fait longtemps que tu demandes. Because it's been long that you've been asking. Garde la paix dans le Seigneur. Keep your peace in the Lord. Garde ta paix dans le Seigneur. Keep your peace in the Lord. Joins à ta prière la persévérance. Add to your prayers. Continue à supplier le Seigneur. Continue to plead with the Lord. Et en gardant cette attitude, and while keeping this attitude, la paix de Dieu t'accompagnera. The peace of the Lord will guide you. La paix de Dieu t'accompagnera. The peace of the Lord will guide you. Terminons par l'action de grâce. Let's round up with thanksgiving. Et c'est ici que plusieurs d'entre nous n'arrivons pas. And this is where most of us we don't attain. Plusieurs prient. Most of us we pray. Plusieurs persévèrent. Most of us we persevere. Mais plusieurs n'arrivent pas à l'action de grâce. But most of us we don't reach thanksgiving section. Or c'est là où Dieu nous attend. Whereas that's where God is waiting for us. Une personne qui est battue par l'inquiétude. Somebody who is bent up, who is beaten up by weariness. Ne va jamais vivre une vie d'action de grâce. Will hardly or will never live a life of thanksgiving. Je voudrais, chers frères, que vous sachiez I just want us to know, beloved, que l'action de grâce that thanksgiving est le secret par excellence is the secret by excellence pour toujours manifester la paix de Dieu. To always manifest the peace of God. Hello. Okay. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Alléluia. Amen. L'action de grâce. Thanksgiving. C'est le moyen par excellence. Is the means by excellence. Pour toujours manifester la paix. To always manifest the peace of God. L'action de grâce. Thanksgiving. Garde ton cœur toujours dans la joie. Guards your heart always. Et la reconnaissance joy. À Dieu. And recognition to God, pour ce qu'il God, fait dans ta vie. For all that he does in your life. La vie de plainte et d'inquiétude. The life of weariness and complaint. Est une vie d'insatisfaction. Is a life of unsatisfaction towards God. C'est une façon de dire à Dieu. It's a way of telling God. Dieu, tu ne fais pas assez. God, you're not doing enough. Dieu, ça ne suffit pas encore. God is not yet enough. Fais encore ceci ou fais encore cela. Do this again and do that again. Bien aimé. Beloved in the Lord. Souvenons-nous que vivre et manifester la paix de Dieu. Let's remember that living and manifesting the peace of God. C'est accepter. Is accepting. De marcher selon sa souveraineté. To walk with, according to God's sovereignty. Frères, sortons des plaintes. Brothers, let's get out of et entrons dans l'action de grâce. And let's get into thanksgiving. Seigneur, je te rends grâce pour mon célibat. Father, I thank you for my celibacy. Je te rends grâce pour mon célibat. I thank you for my celibacy. Pour les célibataires. For all the spinsters and bachelors. Samedi prochain, nous aurons un séminaire des célibataires. Next Saturday, we'll have a single seminar here in church. À partir de 9h. As for 9 a.m. Et le thème sera se réjouir de son célibat. And the theme will be rejoicing in your singlehood. Se réjouir de son célibat. Rejoicing in your singlehood. Un jeune qui n'utilise pas son célibat pour le Seigneur. A young person who is not using his singlehood for the Lord. N'utilisera pas son mariage pour le Seigneur. Will not use his marriage for the Lord. Il n'utilisera pas son mariage pour honorer le Seigneur. He won't use his marriage to honor the Lord. Rendre grâce à Dieu pour le fait de ne pas avoir des enfants. Thank God for the fact that you're not able to have children. Rendre grâce à Dieu pour le fait d'être sans emploi. Thank God for the fact that you're jobless. Frère, quand tu as fait ta part. Brother, when you've done yours. Je voudrais faire cette précision. I just want to precise this. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Because there are people who are not ready. Mais ils passent leur temps à se plaindre. But they spend the whole time complaining. Tu es une sœur ou un frère. You're a sister or a brother. Avec un mauvais caractère. With a bad character. Tu n'es pas serviable. You're not. Tu n'es pas serviable. You're not serviceable. Tu ne prends pas soin de toi-même. You don't take care of yourself.
Mais tu veux te marier. But you want to get married. Tu vas prier en langue. You will pray in tongues. Le mari là ne va pas venir. That husband will not come. Tu es dans la prière. You're in prayers. La supplication. In supplication. Bon, généralement, on n'arrive pas à l'action de grâce là-bas. Most of the times, we don't get into thanksgiving. Mais on est dans la prière. But we're in prayers. Et la supplication. And in supplication. Avec un mauvais caractère. With a bad character. Et puis on veut le mari. And we need a husband. Et le mari husband, ne vient pas. And the husband doesn't come. Parce que quand tu as un mauvais caractère, because when you have a bad character, tu ne peux pas vivre une vie d'action de grâce. You cannot live a life of thanksgiving. C'est pas possible. It's not possible. Voilà pourquoi aujourd'hui, that's why today, on a les problèmes avec les habillements dans l'église. We have problem with dressing in the church. Parce que la plupart des sœurs, because most of the sisters, veulent s'habiller de façon à attirer l'attention des frères. They want to dress in a way to attract the attention. Voilà pourquoi of the elles deviennent sexy. That's why they become elles veulent sexy. Copier le monde. They want to copy comme the ça, world, les frères pourront avoir les yeux sur eux. So that brothers can have the eyes on si them. Tu as un mauvais caractère, if you have a bad character, et que tu penses que c'est pas ton habillement tordu que tu vas pouvoir avoir un mari, and you think that is true, your twisted je veux te garantir you une chose. I want to guarantee you something. Tu ne vas attirer vers toi you can only attract towards que you les frères charnels. Carnal brothers. Tu ne vas attirer vers toi you can only attract towards que des you frères charnels. Carnal brothers. Un frère sérieux ne va pas venir vers toi. A serious brother will not come towards parce que dès qu'un frère sérieux va te regarder, because when a serious brother will look at you, il va dire he will like Et c'est pour ça donc que tu vas te marier avec les frères qui sont attirés par ce qu'ils voient. And so that's why you're going to get married just to the brothers that are attracted by what they see. Parce que si un frère est attiré par ce qu'il voit, because if a brother is attracted, la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue. The Bible says we don't move by sight. Nous marchons par la foi. We live by faith. Et comme lui il est un frère charnel, and so because he's a carnal brother, il marche par la vue. He walks by sight. Il va donc sight te voir dans les formes que tu as bien dessinées. And so he will see you just through the forms that you've well structured. Et il va donc out te demander en mariage. And so you ask for your hand in marriage. Et tu vas rendre hallelujah, bien-aimé, j'ai trouvé mon mari. And you will like hallelujah, beloved in the Lord, I've seen my husband. C'est à ce moment-là que l'action de grâce vient. And that's when thanksgiving will l'action come. L'action de grâce va pas venir. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis célibataire pour le moment. Thanksgiving will not come. Father, I just give you the glory because I'm a single now. Et après quelques mois, c'est and, les problèmes. And after some months, problems coming. Vous passez votre vie au lieu de vous réjouir de votre mariage. You spend your whole life instead of rejoicing of mais your marriage. Vous passez votre temps chez le pasteur. Instead of enjoying your marriage, you spend your whole time in the pastor's house. Toutes les semaines, counseling. Every week, counseling. Et après, boom. And after that, boom. Les sœurs, habillez-vous bien. Sisters dress properly. Et les frères aussi. Brothers equally. Et qu'il y a les frères aussi qui s'habillent pas bien. It's true that we have brothers who don't dress well. Je faisais juste une parenthèse. That was just an aside. Prépare-toi pour ta bénédiction. Prepare yourself for your blessings. Prépare-toi bien pour ta bénédiction. Be well prepared for your blessings. N'attends pas seulement. Don't just wait. Ne sois pas seulement dans la prière. Don't just be in prayer. Sois dans le service du Seigneur. Be in the service of the Lord. Rends-toi utile entre ses mains. Make yourself available and useful et in je your, peux te in garantir une chose. And I can guarantee you one thing. Même comme chaque fois que je parle de ceci, on vient me reprendre après. Even as each time I talk about this, people come to rebuke me. Ma prière pour ma vie ne dure pas 5 minutes. My prayer concerning my life doesn't last 5 minutes. Elle dit simplement, it simply says, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à faire ta volonté. Father, help me today to do your will. Aide-moi aujourd'hui à faire ta volonté. Help me today to do your will. Et je sais une chose. And I know about one thing. Si quelque chose est nécessaire pour moi, if something is necessary for pour me, pouvoir faire la volonté de Dieu, to be able to do the will of God, il va me le donner. He will give me that thing. Si quelque chose est nécessaire pour toi, if something is necessary for pour you, accomplir le plan que Dieu a prévu pour toi, to accomplish God's plan for you in your life, il va te le donner. He will give you that thing. Tu n'as pas besoin de forcer ça. You don't need to force that thing. Il y en a qui sont prévus pour ne pas se marier. There are people who are predestined not to get married. Quand vous dites amen ou pas, c'est la vérité. Whether you say amen or not, that's the truth. On ne va pas it tous se marier. We won't all get toutes married. Les sœurs qui sont là-bas ne vont pas se marier. All sisters seated here tous les frères qui sont là-bas ne vont pas trouver de all mari brothers non, seated femme here non plus. Won't get wives equally. On ne va pas tous se marier. We won't all get married. Alors si tu forces ton chemin dans le mariage, and so if you force your way into marriage, tu vas en souffrir. You will suffer. Mais si le Seigneur a prévu le mariage dans son trajet pour toi, but if the Lord had
predestined that you get married in your même si personne ne te voit, even if nobody sees you, Dieu va envoyer quelqu'un de quelque part. God will send somebody from somewhere. Il va venir te chercher ici. Will come and look for you here. Alors ça ne sert à rien de t'inquiéter. And so it makes no sense getting worried. Ça ne sert à rien de perdre ta paix. It won't serve any purpose. You're losing your peace. Je voudrais simplement que tu puisses te remettre à la souveraineté de Dieu. I just want you to commit yourself to the sovereignty of the Lord. Une vie transformée. It transforms life. Et une vie fondée sur la confiance dans le Seigneur. Is a life that is based on confidence. Et si je fais confiance au Seigneur, and so if I trust the Lord, sa paix va toujours garder mon cœur. His peace will always guard my heart. Je n'aurai pas besoin de manifester autre chose que sa paix. I won't need to manifest any other thing other than his peace. Je vais simplement présenter mes besoins. I will simply present my needs. Par des prières. Through prayers. Par des supplications. Through supplications. Et avec des actions de grâce. And with thanksgiving. Et ma prière ce matin. And my prayer this morning. C'est que le Seigneur nous aide. Is that the Lord should help us. À manifester sa paix. To manifest his peace. Partout où nous sommes. Everywhere that we find ourselves. Ne t'inquiète pas. Don't get worried. Fais confiance à la souveraineté de Dieu. Trust the Lord's sovereignty. Prions le Seigneur. Let's pray. Je prie pour ta paix, Seigneur. I pray for your peace, Lord. Qu'elle soit manifeste dans nos vies. That it be made manifest in our lives. Je supplie, Seigneur. We plead, Lord. Tellement de cœurs sont troublés ici. Many hearts are worried and troubled. Il y a des explosions qui vont bientôt se manifester. We have explosions that will soon be manifested. Je supplie, Seigneur. And so we plead, Lord. Donne à ces personnes d'enlever l'inquiétude. Grant those people to take ces away femmes qui s'inquiètent worry de leur mari qui ne se comportent pas comme elles veulent. Those women who get worried about their husbands who don't behave the way ces they expect. Ces couples qui s'inquiètent au sujet de leurs enfants qui ne se comportent pas comme ils veulent. The couple who are worried about their children who don't behave the way they expect. Ces sans emploi qui s'inquiètent au sujet du travail qu'ils recherchent. The jobless who are worried about the jobs that they are searching. Et tous les différents besoins que nous pouvons avoir. And every other needs that we can have. Seigneur, aide-nous à ne pas nous inquiéter. Father, help us not to be worried, mais à te faire confiance. But that we should trust in you. Merci Jésus. Thank you Jesus. Parce que tu conduis nos vies. Because you guide our lives. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen.
Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Good morning, brothers and sisters in the Lord. Bonjour. Bonjour surtout à ceux qui sont parmi nous pour leur première fois après une longue absence. Special good morning goes to those who are here with us for first time or after a long while of absence. Si vous êtes l'une de ces personnes, nous allons demander que vous levez la main. If you're one of these persons, we plead you raise your hands. Comme cela, les membres du comité d'accueil vous donneront un formulaire à remplir, à renseigner. So the protocol members will give you a form to fill. Renseignez vite ce formulaire-là parce qu'ils vont encore passer pour collecter les formulaires déjà renseignés. We plead you fill the forms fast because they'll pass through later to collect the forms. Ces formulaires vont nous permettre de mieux vous reconnaître au moment venu du culte. This will help us to know you more when the time comes. Nos statistiques du dimanche passé. Statistics for last week Sunday. Le dimanche passé, nous étions 437 adultes au premier culte, 332 au deuxième. Les enfants étaient 212 au premier culte et 143 au deuxième culte, donnant un grand total de 1124 adorateurs et 22 visiteurs pour dimanche passé. Last week Sunday, we had the number of 437 adults at the first service, 332 the second service. Children were 212 in the first service, 143 in the second service, with a total of 1,124, 22 visitors included. Et l'école de dimanche, pour le dimanche passé, était comme suit. Nous avons débuté avec 509 adorateurs ou étudiants et nous avons fini avec 632. Nous avons pu collecter une offrande de 105 473 francs. Le texte était tiré de 1 Corinthiens chapitre 1 et la leçon était intitulée Un plaidoyer pour l'unité. And our Sunday school for last week, we started with a number of 509. We ended up 632 with an offering of 35,473 francs. The text was taken from the book of 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 17, under the theme, A Plea for Unity. Ne ratez pas le rendez-vous pour ce matin, juste après le culte, pour une nouvelle leçon. Don't miss our rendezvous this morning after the first service. Aujourd'hui, la cérémonie d'ordination du pasteur Yasuke se déroule en Benga City. La Discipleship Baptist Church in Benga City. Pastor Yasuke's ordination service is taking place today at Discipleship Benga City. Comme nous avons annoncé dimanche passé, vous allez constater l'absence de certains leaders et même le révérend Chambeli. As we announced last week, you all have noticed the absence of some of our leaders, including the Reverend. Ils y sont allés. They all went to represent us. Les diacres sont rappelés de leur visite chez la sœur, la diaconesse Munju Grace, après le culte. Deacons are reminded of their visit to Sister Munjo Grace today after the service. Les diacres sont également rappelés de leur réunion de ce mois qui aura lieu le 24 et non le 31. They are equally reminded of their meeting which has been rescheduled for the 24th of this month, not the 31st. Du 30 mars au 3 avril 2020 se tiendra à l'église baptiste de Tukebe à Yaoundé la 29e session générale de la CBC. The 29th general session of the CBC will be held at Etukebe Baptist Church from the 30th of March to the 31st to the 3rd of April. Comme cela a toujours été le cas, il y a toujours des rumeurs qui courent et qui nous demandent de prier pour cette session générale. As this has always been the case, there are always rumors that are always out. So we are called upon to pray for this general session. Il y aura les élections, alors il y a beaucoup de choses en jeu. So let's pray, cause we'll be
Because many things are there in the game. Ce samedi le 21 a été mis à part pour un séminaire des célibataires. Des célibataires ici à l'église. Saturday the 21st has been set apart for the single seminar here in church. Nous invitons tous les célibataires à participer à ce séminaire. We invite all the singles to be part of this seminar. À partir de 9h ici à l'église. As from 9 a.m. here in church. Sur le thème réjouis-toi de ton célibat. On the theme rejoice, enjoy your celibacy, your singlehood. Ce mardi le 17, il est prévu que le pasteur rendra visite à la cellule de prière Chococam Tegal House. Tuesday the 17th, the pastor will be visiting the Chococam House Fellowship. Alors apprêtez-vous à recevoir le pasteur. So prepare yourself to visit the pastor. Continuons à prier pour les malades parmi nous. Let's continue to pray for the sick amongst us. Rappelons-nous de la sœur Winifred. Including sister Winifred. Thank you, merci. La sœur Thank you Winifred. Sister Thank you Winifred. Le frère Congo Dennis. Brother Congo Dennis. Et notre diacre For Me God Love. And our deacon For Me God Love. Merci pour l'écoute. Thanks for listening. Okay, thank you. Merci. We want to thank all of you. Nous voulons rendre grâce à vous tous for supporting the sick and needy in our church. Pour soutenir les malades parmi nous à l'église. At Mami Honorine's chai giving. Pour ce qu'on a donné pour l'office de Ma Honorine. We have 14,000 of excess. Nous avons mis à part 14,000. And we want to thank the priest team for adding something to that. Nous voulons rendre grâce à l'équipe de louange qui a ajouté quelque chose à ces offrandes. And we made up a budget of 200,000 to support our brother who is on dialysis, brother Dennis. Et nous avons donné 200,000 à notre frère Dennis qui est malade. So thank you for supporting. Merci pour l'avoir soutenu. Let's keep supporting and praying for them. Continuons à soutenir même ceux qui sont malades parmi nous et prions pour eux. We have started working the farm. Nos chrétiens ont commencé à cultiver le champ. If you want to clear your own, you see Pangori and he will take care of that. Si vous voulez quelqu'un qui va déficher ce champ, vous pouvez rencontrer le papa Ngori et il va le faire. Thank you. Merci. Our offerings and giving, please. S'il vous plaît. Adonai, we worship you, Son of God. You are so good, Almighty God, hallowed be your name. Your dominion is forevermore. Sing Adonai, Adonai, we worship you. Your dominion is forever.
Continue to give us the grace so that we have more to put into your sanctuary. Continue à nous donner cette grâce pour que nous avons plus à mettre dans ton sanctuaire. Bless the works of those who tithe faithfully. Bénis les œuvres de ceux qui ont donné leur dîme fidèlement. So that they will remain your lovely servants and stewards. Pour qu'ils puissent demeurer tes serviteurs fidèles et tes intendants. For this, our humble prayer, mighty name of Jesus, pray with thanksgiving. Car nous avons prié avec action de grâce. Amen. This is time to recognize our visitors. C'est le moment de faire la connaissance de nos visiteurs. We have a good number of them. Nous avons un bon nombre de visiteurs ici. Due to time, we won't read the names. À cause du temps, nous n'allons pas lire les noms. Please, can you just rise where you are if you are worshiping for your first time after a very long time with us? S'il vous plaît, mettez-vous debout. Thank si you, vous adorez ici pour la première fois ou après une longue période d'absence. You're welcome, sisters. Vous êtes tous les bienvenus. You are all welcome to this service. Vous êtes tous les bienvenus dans ce culte. We thank you for your presence. Nous vous disons merci pour votre présence. We'll explore your comments in the forms. Nous allons exploiter tous vos commentaires ici. And our pastor will be reaching at some of you during the week. Au cours de la semaine, le pasteur va appeler certains d'entre vous. Immediately after the service, we are going for the Sunday school. Juste après ce culte, nous avons l'école de dimanche. Sit for the Sunday school. Nous vous supplions de participer à cette école d'église. And immediately after the Sunday school, you just move into the pastor's year. There will be some people to receive.
receive you more warmly. Et après le culte, le corps d'église, vous allez passer par cette porte. Il y a une équipe qui va vous accueillir là dehors. You are welcome. Vous êtes les bienvenus. We'll just give a song to welcome them, and then we have our hymn 901, two standards only, so that we move to Sunday school. Nous allons welcome. You are highly welcome. We are glad to have you. The Lord has brought you here. Can you wish them welcome? Trinity saying welcome. S901. When peace like a river attended my way, sing. When De rien. Don't worry about anything. Mais en toute chose, but in all, faites connaître à Dieu vos besoins. Give unto Lord all your needs, par des prières, through prayers, des supplications, through supplication, avec des actions de grâce. And with thanksgiving. Et la paix de Dieu, and the peace of God, qui surpasse toute intelligence, that surpasses all understanding, gardera vos cœurs, will keep your hearts, et vos pensées, and your thoughts, en Jésus-Christ. In Christ Jesus. Seigneur, merci. Lord, thank you, parce que ta paix est suffisante pour nous garder tout au long de cette semaine. All through this week, nous allons continuer à te faire confiance. We'll continue to put our trust in nous you. Allons continuer à te croire. We'll continue to believe in you, parce que tu es notre Dieu. Because you are our God. Je prie, Seigneur, I pray, Lord, que pendant que quelqu'un te fait confiance cette semaine, as someone put his trust, his tu lui demandes encore que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Demonstrate to this one that you are the same God who has not changed. Pour un langage d'action de grâce. I pray for a word of thanksgiving. Que ton peuple toute cette semaine, that your people all chante this tes louanges, that they will sing your te remercie pour leur vie. They will thank you for their lives. Vous êtes béni, peuple de Dieu. You are blessed, people of God. Allez dans la paix du Seigneur. Go in the peace of the Lord. Au nom du Père.
In the name of the Father, du Fils, and of the Son, et du Saint-Esprit, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Good morning. Please, nobody is going. S'il vous plaît, personne ne rentre. We have the opportunity. Nous avons cette